D'abord, Alexandre Lévy est de retour. Il vient défendre son titre. Nous avons aussi un certain nombre de grands joueurs qui nous rejoignent du monde entier, de plusieurs pays. Nous avons entre autres des joueurs qui nous viennent, par exemple, d'Allemagne. Nous avons Marcel Sim, qui a déjà remporté, Paul Warren, qui nous vient d'Angleterre. Nous avons Josh Lutten, qui est un très très grand joueur mondialement connu, qui vient des Pays-Bas. Et nous avons également Tanguy Jaide, qui vient de Thaïlande. Et Andy Sullivan, Angleterre, la croix. ميدان الكبار وما السيدات عندنا كما لاحظتم شفتوها جيني هاغلون مريم شارفور كارولين هادويل فلورنتينا باركر اي نوتر بويت ناسيونال ناحي ديو Vous savez qu'il y a trois joueurs professionnels qui sont issus de l'ordre du mérite, c'est-à-dire qu'ils jouent des coupes sur l'année, toute l'année, et les trois meilleurs sont sélectionnés aujourd'hui. Nous avons sélectionné Fessal Sarri, Ahmed Marjan, et Youb El Guerat. Les amateurs, nous avons Souadi, ou El-La'ib Tani, donc on a les joueurs marocains qui sont sélectionnés juste après Rosie. Rosie, ou en tant qu'amateur. Et chez les femmes, nous avons la poète Malah Diou, Lina Al-Marti, qui est là-bas. Nous avons également été servis de temps en temps. La Kids Cup, c'est la réunion des meilleurs joueurs du Maroc en fonction de leur âge. C'est entre 5 et 12 ans. Il y a une sélection au niveau de chaque club et chaque club a envoyé les meilleurs joueurs qui sont issus d'une sélection. Ils ont fait des compétitions, les meilleurs vont être envoyés ici à Vincennes. Ils sont une soixantaine. Et de là, évidemment, il sera le grand champion marocain. Écoutez, les infrastructures, d'abord, vous avez devant vous Vincennes, qui est un exemple mondial. Vous avez aussi des parcours de golf dans tout le Maroc, notamment surtout Marrakech, le parcours de golf à Gadir. Vous avez Jdida de parcours, Michelin. Vous avez Michelin qui est un parcours unique au montant, à 1800 mètres, c'est exceptionnel. Il y a des trous dessinés par l'architecte qui sont uniques. Le trou de Murnaf était pour moi une exception. Et vous avez aussi des gauches maisons, c'est bien à Tanger, à Casablanca, à Bouskoula. Donc les infrastructures, je pense que le Maroc est bien doté et tout le monde le sait.